Bonjour, donc du coup, moi je suis Philippe Krebs, le directeur de la compagnie iPanic. Donc là, on est sur Vertical City, c'est notre cinquième création. L'idée, c'est de travailler toujours sur des univers qui sont entre ciel et terre, parce qu'on travaille toujours avec des arts aériens. Et puis avec cette notion d'équilibre, où on va tisser, en fait, on va dire, des fils. Ici, on est sur des bâtis, en fait, on est dans un quartier de la Condamine, dans la ville de Cré. Voilà, donc c'est un spectacle qui se fait au cœur de la cité, avec les habitants. Et du coup, on va mélanger à la fois du cirque, la danse verticale, de la peinture, de la musique live, et en fait on travaille avec pas mal d'arts un peu différents pour avoir cette unité avec toujours un peu, on va dire, quelque chose d'un peu primitif qui soutient l'ensemble. Voilà, c'est un peu. Et puis après il y a quelques signatures, on va dire, du Panic qui sont un peu des surprises aussi pour les spectateurs. Là on a intégré les habitants dans le spectacle en faisant, sans qu'ils le soient au courant, des portraits des habitants et des formats de 2 mètres, plus de 2 mètres de hauteur, qui vont découvrir le jour même du spectacle. Donc l'idée de la Panic, c'est qu'il y a toujours un peu une petite notion de surprise et qu'à la fin, ça finit toujours un peu, mais je le dirais pas, il faut venir voir les spectacles pour savoir ce qui se passe.